Euh, donc voilà, si vous voulez euh, couper votre caméra, vous êtes libre de le faire. Mais donc voilà, on enregistre le webinaire. Euh, je vous demanderai aussi d'éteindre de, de, vos, vos micros euh, ce sera plus, plus simple pour tout le monde. Euh, et donc, on, on va vous présenter euh, un certain nombre de choses. Je vous propose peut-être de garder aussi vos questions, euh, de les noter et de les, les noter pour la, la fin du webinaire on y répondra avec plaisir. Alors je ne suis pas toute seule aujourd'hui, euh, donc euh, toute l'équipe de Travie Wallonie-Bruxelles est là. Euh, donc euh, il y a Valérie Yakobuchi, euh, euh, attachée sectorielle. Euh, pour les No Brabant Wallon, il y a Grégory Beaujean, attaché sectoriel euh, pour Liège-Namur-Luxembourg, il y a Emmanuel Désirant qui est gestionnaire administrative euh, pour la Wallonie, et il y a Ouda Benelvski qui est l'attaché sectoriel responsable de la région de Bruxelles. Voilà. Donc, euh, je vous disais qu'on allait parler formation. Euh, ben, c'est vrai qu'en effet, euh, la formation, on le sait, est bien, bien fort importante. Euh, on le sait tous. Et pour vous, ben, agents d'intérim, euh, fournir des, euh, des candidats euh, formés avec les compétences euh, requises nécessaires chez les clients, ben, c'est évidemment un atout indéniable également pour vous. Euh, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est euh, vous présenter en fait un outil qu'on a mis en place chez Travi. Euh, qui est disponible sur notre site euh, pour vous aider à vous repérer un petit peu dans euh, dans les différentes possibilités euh, qu'il qu y a pour former vos candidats donc avec euh, en grande partie euh, notre aide puisqu'on est quand même là pour ça donc c'est un outil euh, qui euh, vraiment vous vous explique euh, le process et la logique euh, qu'on utilise cet avis euh, pour former vos candidats et les euh, différents partenariats qu'on active et les différentes possibilités qu'on active euh, pour vous aider et mener à bien vos projets. Vos projets. Euh, ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va accueillir euh, les témoignages de euh, Amandine Couturier de chez Rennstadt et Cindy Moyen de chez AGO, qui nous font le plaisir de, de venir témoigner aujourd'hui euh, pour vous expliquer un petit peu euh, la manière dont on a mené des projets de formation sur mesure avec elles. Et donc, on va terminer le, le webinaire par un, un petit résumé de, de comment ça fonctionne euh, justement pour mener à bien des, des projets sur mesure et comment on, on, on s'y Prend chez Travi pour, euh, pour faire ça avec vous. Voilà. Alors, je vais démarrer tout de suite avec l'outil euh, qu'on a mis en place sur notre site. Voilà. Est-ce que vous voyez euh, mon écran Val, Greg Vous savez me dire si c'est OK Oui, c'est bon. Oui, okay. tout à fait. Ouais. Que plus... Je ne vous vois plus, donc. <laughs> euh, bon. Voilà. Donc, euh, sur notre site, donc travis.be, sur la page d'accueil, vous avez directement un, un, un encart ici euh, avec « Former en 1, 2, 3 euh, », qui est euh, l'encart qui cache derrière lui euh, fa ce fameux outil euh, euh, qui va vous expliquer le, le process pour euh, la formation. Alors, simplement… On clique dessus et on arrive directement euh, sur la, la première page. Alors, ben, voilà, chez Travi, euh, pour former un candidat, on se pose tout d'abord la question, est-ce que c'est un candidat Donc, euh, un candidat, euh, qu'est-ce que c'est Vous avez toujours la petite euh, icône. I, euh, information ici euh, à côté qui vous permet d'avoir une petite définition de ce qu'on entend par euh, ce qui est noté. Euh, donc, un candidat, ben, c'est un demandeur d'emploi qui euh, n'a pas encore démarré une mission d'intérim ou qui se situe entre deux missions. Donc, soit c'est un candidat, soit c'est déjà un intérimaire, donc un intérimaire qui est sous, sous contrat, sous, sous le péril de l'agence. Alors, au niveau des candidats, donc l'outil fonctionne toujours de la même manière. Donc, euh, vous cliquez sur. Euh, l'icône et vous allez sur l'étape suivante pour euh, voilà, avoir les différentes possibilités qui s'offrent à vous à, après. Quand on est du côté des candidats, on, chez Travi, on se pose toujours la question, est-ce que c'est euh, est -ce qu'on va travailler avec un partenaire de formation public ou un partenaire de formation privé il faut savoir qu'on a une, une collaboration forte avec les organismes de formation publique euh, avec lesquels on essaye vraiment de mener un maximum de formation. En, en Wallonie, je, je parle pour ma région, c'est vrai qu'on a une grosse collaboration avec le forum euh, qui nous permet d'aller euh, vraiment dans, dans plein de directions au niveau des formations. Euh, et si l'organisme de formation publique ne sait pas répondre euh, à notre demande pour différentes raisons, euh, on peut faire appel à des partenaires de formation privée Alors, au niveau des, for des, des partenaires de formation publique et euh, eh bien, je clique dessus. Donc, étape suivante. Euh, en Wallonie, euh, voilà, c'est le Forum, comme comme je vous l'ai dit. Euh, on travaille aussi avec l'Arbeitsamt euh, pour la communauté germanophone. Et alors, Bruxelles Formation euh, ben, pour Bruxelles. Alors. Euh, on essaie de, de, de centraliser vraiment toutes les demandes qui viennent du secteur de l'intérim chez nous. Euh, donc, euh, ça, ça nous permet vraiment d'avoir une vue sur tout ce qui se passe dans, dans le secteur et de répondre euh, à un maximum de demandes euh, qui nous arrivent. Donc, c'est vrai que si vous avez de toute façon une demande de formation, ben, venez vers nous. Si le Forum en Wallonie peut y répondre, euh, tant mieux. Sinon, euh, on va alors vers un, une collaboration avec les organismes privés. Vous pouvez euh, toujours consulter notre calendrier de formation qui se trouve sur notre site, euh, que je vais vous montrer tout à l'heure, euh, où se trouve toute une série de formations récurrentes, donc des formations qui, euh, qui roulent, qui tournent, euh, que vous avez besoin de, de manière récurrente. On, on pense à la logistique, on pense à la, au, à la, au secteur agroalimentaire, euh, on pense à des formations VCA. Toutes ces formations qui tournent tout le temps sont sur notre site. On les planifie par semestre ou à la Année. Euh, et donc vous avez un accès permanent à ces formations. Maintenant, on ne pas que ces formations-là, on fait aussi des formations sur mesure, donc on en parlera tout à l'heure avec euh, Cindy et Amandine. Euh, on fait des formations sur mesure qui effectivement ne sont pas sur notre site, donc à ce moment-là, il faut contacter l'attaché sectoriel de votre région et euh, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Alors, derrière euh, les, les, les icônes, vous avez chaque fois le lien vers le site de l'organisme public, donc ici, euh, le forum, par exemple. Alors, je vais essayer de retourner au bon endroit. Voilà. <laughs> voilà, donc ça, c'est pour les organismes de formation publique. Alors, évidemment, donc, s'ils ne savent pas répondre, on fait appel à notre partenariat avec des organismes de formation privés. Euh, on a des moyens financiers chez Travi euh, pour faire appel à, des, à ces organismes. Alors, comment ça se passe Là, il faut faire une distinction au niveau de l'âge du candidat et euh, l'âge du candidat au premier jour de la formation. Donc, si le candidat a plus de 26 ans, on travaillera avec notre budget Learn for Job. Donc le budget Learn for Job, c'est un budget qui est alloué à chaque enseigne euh, et donc qui est donné. Donc chaque, chaque enseigne a euh, à un budget euh, individuel. Je vais, je vais l'expliquer tout de suite. Mais on a aussi un budget euh, collectif chez Travi. Euh, au niveau de toutes, les, de, de toutes les régions. On a un budget collectif qui nous permet euh, d'organiser des formations euh, pour plusieurs plusieurs enseignes en même temps. Donc, au niveau collectif, alors, la même, il y a une logique toujours derrière. Euh, voilà, la formation peut se trouver sur notre site Internet. Donc, elle fait partie euh, de, du calendrier de travail. Vous pouvez toujours y accéder euh, donc via notre site. Et c'est là que je vais faire un lien vers notre site. Hop. Est-ce que c'est OK? Vous voyez bien euh, le calendrier? Val Greg, tout, tout va? Oui. Mmh. Ouais, ouais. OK. Euh, donc, le calendrier de Travi, euh, vous avez effectivement tout l'aspect formation ici, puisque c'est de ça qu'on parle. Euh, formation pour les candidats intérimaires. On va faire une recherche globale. Et là, vous avez euh, toutes les formations, euh, que ce soit avec le forum dont j'ai déjà parlé avant ou que ce soit avec des organismes de formation privés. Chaque fois, vous avez les infos et la possibilité euh, d'inscrire vos candidats. Donc ça, c'est le calendrier des formations. Maintenant, si, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si le, la formation que vous cherchez ne se trouve pas sur le calendrier et que c'est plutôt un projet sur mesure, alors à ce moment-là, euh, vous pouvez contacter l'attaché sectoriel de votre région. Donc ici, je vous ai déjà présenté euh, l'équipe, euh, mais vous avez chaque fois les coordonnées de chacun euh, qui, se trouve sur notre, euh, qui se trouve sur notre site pour les projets sur mesure. Et ici, donc, on est toujours dans euh, les projets collectifs, donc le Learn for Job collectif, pour travailler avec des organismes de formation privée. Chaque enseigne a aussi un budget de formation individuelle Alors, à ce moment-là, donc, c'est vraiment... Euh, si vous avez une demande, une, une demande pour un ou plusieurs candidats euh, que vous avez envie de former euh, directement, vous avez la possibilité, vous, d'utiliser votre budget Learn for Job individuel. Chaque enseigne a un, un, un gestionnaire de dossier qui est euh, défini euh, et qui a euh, la, euh, qui a la, la gestion du, du Learn for Job individuel et donc vous pouvez contacter à chaque fois ce, euh, ce contact chez vous euh, pour voir s'il vous reste du budget euh, pour pouvoir mener des formations euh, directement. Alors, il faut rentrer à l'étier, donc ça vous cliquez sur le lien, vous vous connectez euh, et du coup, euh, vous avez la possibilité de rentrer votre dossier chez nous, euh, effectivement, pour avoir un, un remboursement par la suite de, euh, de la formation. Alors, ici, c'était pour le Learn for Job. On était dans les plus de 26 ans. J'espère que vous me suivez toujours. Euh, si votre candidat a moins de 26 ans, on va rentrer dans, dans la même logique euh, que pour le Land for Jobs, sauf que on va utiliser le budget Welcome. Et le budget Welcome, c'est le budget euh, du projet Welcome, donc qui est notre projet ciblé sur les jeunes de moins de 26 ans. C'est la même logique. Euh, on peut organiser des formations avec un budget collectif. Et donc, à ce moment-là, c'est Travi euh, qui prend en charge l'organisation euh, de ces formations. Comme pour le Learn for Job collectif, c'est aussi Travi qui prend en charge l'organisation de ces formations. Et donc là, vous allez aussi avoir le même principe. Soit vous avez... Une formation welcome moins de 26 ans qui est planifiée sur notre site. Donc, je ne vais pas y revenir parce que je viens déjà de le montrer, mais vous allez sur notre site, vous verrez, c'est toujours mentionné, c'est une formation pour moins de 26 ans. Il est aussi possible de former des candidats de moins de 26 ans euh, avec des formations sur mesure. Donc, c'est exactement le, le même principe. Euh, à ce moment-là, vous contactez euh, votre, attache, pardon, votre attaché sectoriel. Alors, la même chose pour le Learn for Job, euh, le Welcome individuel. Par contre, euh, vous avez à ce moment-là vous la, la responsabilité de mettre en place vous-même la formation avec votre budget Welcome individuel. Euh, et là, vous allez sur, arriver sur le site de Welcome. Euh, voilà. Euh, donc qui est euh, qui est le site qui vous explique aussi comment demander du budget pour des des, des moins de 26 ans. À ce moment là. Euh, Welcome va rembourser jusqu'à 520 euros par jeune et par formation. Euh, donc euh, là, j'irais, c'est plafonné. Euh, et donc, c'est un autre projet, donc pour les moins de 26 ans, mais je dirais le, le fonctionnement euh, est plus ou moins identique, sauf que vous devez introduire votre projet, euh, votre demande de formation sur un autre site. Alors, on a parlé... Des candidats, donc candidats, formation avec les organismes de formation publique ou formation avec les organismes de formation privée, distinction entre les moins de 26 ans et les plus de 26 ans, donc budget Learn for Job ou budget Welcome. Alors au niveau des intérimaires maintenant, donc euh, quand on, est, euh, on parle d'intérimaire, on est bien dans le cas d'un travailleur qui est sous contrat et donc qui est euh, sous votre pérole, il est en, en place euh, chez votre client. Alors, à ce moment-là, il y a deux possibilités euh, pour, euh, de, de financement, finalement euh, pour, vos formats, pour vos intérimaires. Pardon. Alors, soit vous faites appel au droit de tirage individuel. Alors, le droit de tirage individuel, ça vous parle peut-être plus quand on parle de V1, V2, V3. Euh, le droit de tirage individuel, il est géré par le fonds social pour les intérimaires. Donc, il n'est pas géré chez nous, mais par le Fonds social pour les intérimaires. Et donc, euh, chaque entreprise de travail intérimaire a 0,4% de la masse salariale brute euh, pour la formation. Et donc, vous pouvez récupérer les, les coûts salariaux avec ce droit de tirage individuel, les coûts de, de formation et les coûts salariaux, pardon. Euh, alors, c'est possible euh, pour deux types euh, de formation Alors, soit les formations sur le lieu de travail, soit les formations. Euh, externe, dans un organisme de formation externe. Alors, sur le lieu de travail, euh, bah, voilà. donc, euh, le travailleur fixe euh, du, du client utilisateur va former euh, l'intérimaire, souvent à l'entrée en fonction, au début de sa mission. Et donc, l'agence d'intérim peut récupérer un maximum de 11,5 euros par heure avec un maximum de 139 euros par jour. Et donc ça, euh, c'est avec le Fonds social pour les intérimaires qu'il faut gérer et donc soumettre votre dossier au Fonds social pour les intérimaires via ce lien. Donc vous vous, trouvez, vous directement sur le site du Fonds social pour les intérimaires et donc vous pouvez alors suivre cette procédure pour euh, récupérer euh, les, les coûts de, de formation et les coûts salariaux. Idem pour la formation externe. Euh, si le, la formation se donne dans un organisme de formation externe que vous choisissez, euh, ben donc vous pouvez aussi récupérer, et là euh, donc, euh, vous pouvez récupérer un montant euh, de maximum 226 euros par jour à ce moment-là. Formation externe, et également euh, via le Fonds social des intérimaires, donc le même site à, à, à remplir, à contacter directement pour euh, rentrer vos dossiers. Alors ça, c'est donc pour le droit de tirage individuel via le Fonds social pour les intérimaires. Mais il y a aussi une collaboration que nous, on a avec certains fonds euh, sectoriels euh, avec lesquels on a conclu des accords. Alors ces fonds sectoriels... Euh, vous les trouvez ici. Vous trouvez toute la liste des fonds sectoriels, donc l'entretien te du textile, l'industrie métallurgique, l'industrie alimentaire, le secteur textile et la bonnetterie, l'industrie de la construction, le secteur du déménagement, les électriciens et les installateurs. Alors, euh la plupart du temps, c'est le client utilisateur, euh, ben voilà, qui va inscrire l'intérimaire à une formation, une formation qui est proposée euh, par son fonds sectoriel. Euh, maintenant, euh, il est important que vous sachiez, vous de votre côté aussi, que ces accords existent et que vous pouvez les utiliser et en parler à vos clients euh, pour la formation de vos intérimaires en place. Alors, je ne vais pas détailler euh, tous les accords parce qu'ils sont chaque fois euh, différents. À chaque fois, vous avez la possibilité d'aller sur le site. Euh, du secteur en question. Euh, mais le plus simple, c'est d'en parler avec, avec votre client euh, qui, qui se référera à ce moment-là à son fonds sectoriel avec lequel on a des accords. Et de cette manière-là, euh, vous aurez les informations concrètes euh, sur euh, l'aide financière. Euh, Est-ce que vous pouvez récupérer euh, en fonction du secteur Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Euh... C'est beaucoup d'infos, je m'en rends compte encore plus euh, en, en présentant. Euh, maintenant, c'est vrai que cette arborescence vous permet un petit peu de vous y retrouver. Ça, c'est une chose, mais euh, n'oubliez pas aussi que c'est toujours euh, les attachés sectoriels ou moi-même euh, qui, qui peuvent vous répondre à des questions très, très, très euh, précises, je dirais, par rapport euh, aux, aux moyens, de, form aux moyens de, de former. Et donc, c'est leur quotidien, c'est notre quotidien. Euh, N'hésitez pas à à nous contacter quand vous avez une question de formation. Donc, c'est vrai qu'on vous présente la manière de, dont nous, on active. Euh, les choses derrière pour mettre en place les formations. Euh, mais quelque part, finalement, pour vous, du moment qu'on vous apporte une, une solution, ben, je dirais ce qu'il y a derrière est parfois, euh, est parfois euh, moins, moins important à bien connaître dans les détails. Mais n'hésitez pas, euh, voilà, vraiment, dès que vous avez une question de, de formation, une idée, un doute, euh, euh, quelque chose qui n'est pas abouti, euh, quelque chose qui, euh, qui vous qui, pour lequel vous n'avez pas assez d'informations, contactez-nous euh, et nous, on, veut, on vous... On vous guide dans, dans, ce, dans ces, ces process, mais on prend aussi en charge euh, énormément dans l'organisation euh, de tout ce qui concerne les projets euh, de formation, et dans le cas du Land for Job et du, de Welcome, dans les projets de formation collectifs. Voilà. Euh, J'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à noter vos questions. On pourra y répondre à la fin. Euh, maintenant, ce que je propose, bah, c'est de passer au volet euh, mise en place de formation sur mesure. Donc, j'en ai parlé en vous expliquant euh, l'outil. Euh, et donc, pour ce faire, bah, c'est vrai que je vais passer la main à Grégory et et Valérie euh, qui, va, qui vont vous expliquer ça et alors passer la, la parole aussi à Amandine et Cindy qui vont vraiment témoigner de la manière dont ça s'est mis en place avec nous et peut-être vous donner des idées, je l'espère, pour euh, faire de même euh, par la suite. Alors, je repartage. C'est mon tour alors. Ouais. Euh, merci Anne pour, pour l'outil. Et donc, moi ici, je vais vous parler de ce qu'on appelle les projets spécifiques, les projets sur mesure, où vraiment vous vous dites bah, vous avez une idée de mettre sur place un projet chez votre client et chez vos clients. Et comment ça se passe En fait, vous voyez la pyramide, ça, ça représente vraiment ce, la base de notre travail et le commencement de notre travail. C'est-à-dire que Valérie va vous l'expliquer après, mais comment ça se passe ben, Vous, euh, on a besoin que vous soyez présent, évidemment, pour mettre un, un projet sur mesure, parce que c'est pour vous et votre client, donc l'entreprise utilisatrice. Et donc, il y a chaque fois travis qui est au centre des euh, discussions, parce qu'on ben, doit être informé lorsqu'un projet démarre. Donc, l'agence, ça peut être une agence ou plusieurs agences. Il y a des projets qui sont avec une seule agence, chez un seul client, mais plusieurs agences chez le même client. On fait ça régulièrement. Donc, Travis doit être informé, évidemment, puisqu'il va coordonner. Évidemment, le client doit être aussi présent autour de la table ou autour de l'écran. Grâce à Teams, on a fait aussi beaucoup de projets avec différents clients de différents secteurs. Donc, le client doit vraiment être là à chaque niveau de discussion parce que ben, il doit être au courant de la coordination puisque ben, parfois euh, on, on va former chez le client, parfois pas, ça dépend. Mais le client doit vraiment être impliqué dans le projet et on remarque les projets qui fonctionnent bien, c'est parce que le client ben, est là, est sur place, est au courant, donne aussi son input, donne aussi son avis, euh, donne aussi des freins parfois. Donc c'est important qu'il soit là et c'est même primordial. Et alors le partenaire de formation, puisque nous, nous sommes intermédiaires, nous allons à chaque fois, à chaque projet, ben, trouver, ben, chercher et trouver un partenaire de formation qui peut être différent à chaque fois ou pas. Et donc, dans la mesure du possible, on va venir avec ce partenaire. Comme cela, ben, on va parler du contenu, des dates, euh, des freins, de la faisabilité, etc. Donc, c'est mieux quand le partenaire est là parce que... Ben, Lorsque notre rendez-vous est terminé après une heure de discussion, souvent on repart avec du concret. Et quand le partenaire n'est pas toujours disponible au moment du rendez-vous, c'est Travis qui assure la coordination. D'accord Donc, ça, c'est vraiment très important pour nous, puisqu'on part quasiment à chaque fois d'une page blanche et de partir d'une idée, et puis on construit ensemble le projet sur mesure. OK alors maintenant, moi, je vais donner donc euh, la parole euh, à Amandine et à Cindy pour leur témoignage. On leur a demandé de préparer euh, justement leur, leur intervention. Et donc, je vais commencer par Amandine qui va donc nous euh, relater son témoignage et l'expérience qu'elle a pu avoir avec Travi. Donc, Amandine, je te vois sur mon écran oui. ici à gauche. Euh, on, euh, je te laisse la parole, hein, d'accord, par rapport à ton oui. expérience avec Travi. Voilà, okay. Mais donc, euh, ben voilà, bonjour à tous d'abord. <laughs> euh, donc c'est vrai qu'en fait, notre avis, euh, on collabore quand même euh, depuis pas mal d'années. Je connais très bien Valérie Iacobucci, euh, avec qui j'avais des contacts assez réguliers. Déjà à l'époque où j'étais consultante chez un grand client dans le secteur pharma, euh, on avait vraiment très souvent des contacts. Je participais à des sessions pour rencontrer des candidats qui sortaient de formation, etc. Euh, donc voilà, je, on avait déjà eu des contacts et elle, elle m'avait présenté justement euh, la possibilité de euh, créer des formations sur mesure euh, pour des groupes de candidats. Donc là, c'est vraiment dans, dans le cadre de, de formations collectives. Euh, et donc ben justement, par rapport à nos clients du secteur pharma, on se rendrait vraiment compte qu'il y avait un vrai besoin euh, de créer des formations pour pouvoir répondre à des attentes de la part de nos clients. Euh, j'avais aussi mon réseau euh, avec un centre de formation scientifique. Et donc, euh, dans le cadre d'un projet que j'avais eu qui, qui n'a rien à voir, j'avais posé la question, bah, tiens, est-ce que ce serait faisable de créer une formation sur mesure pour des opérateurs dans le secteur pharmaceutique euh, Donc, ils nous avaient, ils avaient validé le fait que ça les intéressait. Et donc, bah, spontanément, je, je me suis dirigée vers Valérie pour… Pour, euh, pour voir si ben, Travi pouvait participer euh, à ce projet. Euh, et donc, en fait, dès qu'on dès qu a eu la, valida la validation de, de la part de Travi, euh, c'est vraiment Travi qui a repris l'intégralité de la gestion, qui était le, centre, enfin, le point de contact principal. Et c'était ça, hein, vraiment, donc déterminer le nombre de candidats, euh, la périodicité, le contenu de la formation, mais ça toujours évidemment en accord avec le client aussi. Hein, on a vraiment proposé des programmes aux clients, fait des adaptations au fur et à mesure. C'était vraiment euh, un échange entre le centre de formation, le client, et puis ben, euh, RANSTAT et Travi finalement un petit peu au milieu qui essayait de coordonner un maximum. Euh, donc voilà, et c'est vrai qu'en termes de résultats, donc on, a, on a lancé justement euh, ces sessions collectives en 2021. Il y en a eu deux. Et en fait, les résultats ont été super, super positifs. On a eu un feedback excellent de la part de notre client chez qui on a fait le projet pilote. Euh, les team leaders qui ont accueilli les stagiaires étaient vraiment ravis du niveau. Euh, D'ailleurs, il y a eu une, un taux de mise au travail de 100%. Donc il n'y a absolument aucun stagiaire qui n'a pas trouvé de travail par la suite. Euh, et donc en fait, ben, le résultat final, c'est que le client a dit, ben voilà, moi je veux réitérer euh, des formations comme celle-là en 2022. On a même d'ailleurs doublé le nombre de formations. Comme ça, on a pu intégrer un autre gros client du secteur pharma euh, dans le projet. Donc du coup, cette année-ci, on a quatre formations euh, qui sont prévues. Et euh, voilà, ici, il euh, y a une formation qui justement vient de se terminer. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment très très positif. Moi, j'ai eu une super expérience. Et c'est vrai que Valérie a vraiment joué un rôle de facilitateur par rapport, par rapport à l'organisation de cette formation. Ok, super. Merci Amandine, c'est très Avec important plaisir. effectivement pour nous que tu puisses témoigner de ton expérience parce que c'est vrai qu'on explique souvent comment, ce que nous faisons, mais avoir un témoignage de ta part est vraiment très important pour toi, mais pour tout le monde également, donc je te remercie encore de ton intervention. Avec plaisir. C'est gentil. Je vais laisser la parole à Cindy maintenant, donc je ne la vois pas ici, mais elle doit pas être très loin, elle va apparaître. Salut Cindy. Bonjour, voilà. bonjour tout le monde. Bonjour. Et donc Cindy, ben voilà, je te laisse la parole aussi, pareil au niveau de ton témoignage, ton expérience avec Travi. Très bien. Eh ben, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Cindy Moyen, je suis business developer chez AGO. Et euh, voilà, donc tout ce qui est formation pour la Wallonie, euh, en gros, est, 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 centralisé, euh, est centralisé chez moi. Le plus dur euh, dans cette intervention-là, ça a été de choisir un projet. <laughs> parce qu'on en, en a plusieurs donc il a fallu faire un choix euh, donc le choix s'est porté sur un projet qu'on a pu mener depuis, euh, voilà, depuis quelques années pour avoir un recul et plus important euh, dans, dans ce qu'on peut vous expliquer aujourd'hui et surtout et aussi euh, bah pour, ça, ça va certainement aider euh, Anne Marois puisqu'on a, on a pu cumuler les, les, les types de financement donc c'est là que c'était intéressant <laughs> donc euh, nous le, le, le projet qu'on avait c'était pour un, pour un client dans l'utilisation d'une euh, d'un on va dire d'un engin spécifique pour lequel les formations classiques, donc première étape, ça a été, ben, on va aller voir sur le forum, est-ce qu'on a des, des formations de ce type-là Malheureusement, les engins ne correspondaient pas, donc on a dû, euh, ben, là, force de discussion avec Grégory, se dire, ben, ben voilà, est-ce que tu peux euh, m'aider sur le sujet et qu'on puisse trouver euh, autre chose C'était il y a plusieurs années, et donc c'est même Grégory à l'époque qui m'a dit, ben, écoute, on a certainement d'autres solutions que de passer uniquement par les formations classiques. Et donc, on a pu découvrir euh, le, le, le système de, de formation personnalisée. Euh, donc voilà, on a mis en place euh, ce projet-là en établissant, dans un premier temps, concrètement les besoins du client. Euh, on a ensuite euh, vu avec les centres de formation, grâce à voilà, au réseau de, de Grégory qui a pu nous mettre en contact avec les centres de formation, et on a pu aussi euh, tester et des centres forem, avec les conditions forem pour les, pour les candidats, euh, donc que vous connaissez, avec leurs bah voilà, leur frais de déplacement, euh, etc., leur 1 euro de plus par jour, etc. Et euh, d'un autre côté, bah, le, le, le système avec les, les formations dans, dans un centre privé. Euh, avec les années, on a pu peaufiner, on a pu améliorer encore le contenu de la formation. Mais la première étape, parmi les premières étapes, il y a eu la rencontre avec le centre de formation Travi et Ago, de manière à ce qu'on puisse vraiment mettre en place un projet ultra personnalisé avec vraiment les besoins du client. Et le gros avantage qu'on a pu mettre en place aussi, c'est la formation chez le client, avec les outils du client ça clairement ça n'a pas de prix euh, c'est vraiment l'idéal on peut pas faire plus personnalisé en fait que, que le besoin du client chez le client, je pense qu'on peut pas faire mieux que ça euh, et donc voilà on a pu mettre ça en place avec un mix de budget, euh, l'enfant job collectif avec euh, un petit peu de welcome avec, <laughs> avec un reste de l'enfant job individuel pour la partie privée et, euh, et, et, et voilà et tout se goupille à merveille avec la coordination euh, voilà, de, 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 de Grégory euh, ma coordination en interne chez AGO et avec le client et le centre de formation qui a ultra bien joué le jeu avec qui du coup maintenant avec les années on a un, un contact aussi euh, d'autant plus facilité euh, et on est vraiment dans une réelle collaboration voilà, on est, on est totalement, allez, c'est triangulaire, <laughs> Et voilà, tout, tout, tout le monde peut communiquer les uns avec les autres de manière assez aisée. On a pu peaufiner, personnaliser encore plus le projet. Et d'année en année, on arrive vraiment sur des candidats, on est sur un volume d'une quarantaine de personnes qui sont formées. Euh, on n'a pas 100% de start à l'issue parce que c'est un secteur qui, qui bouge beaucoup et donc il y a forcément des pertes entre-temps, mais, euh, mais voilà, le, le, le maximum de candidats peut starter derrière. Et surtout, ils startent de manière efficace parce que quand ils arrivent sur le terrain, chez le client, ils sont de suite opérationnels. Le client les a déjà vus puisqu'ils ont déjà vus sur site et ils n'arrivent pas sur site en se demandant où ils tombent puisque c'est là qu'ils ont fait la formation. Donc euh, voilà, si je peux me permettre un conseil, les formations personnalisées chez les clients, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment l'idéal quand on a la, la possibilité de le faire et pas être effrayé par la, la, la gestion des multiples modes de financement. <laughs> on s'y retrouve et, euh, et c'est même un jeu sympa à la fin de pouvoir trouver une solution pour tout le monde. Tout à fait. Ben, merci beaucoup Cindy parce que c'est vrai qu'effectivement, dans ton exemple, on a, on a pu montrer euh, et monter un projet euh, concret de plusieurs styles de financement, comme tu dis, et comme Anne a expliqué. Et donc clairement, ben, c'est... Et ça prouve que tout est possible, en fait, à ce niveau-là. Et, et l'idée, c'est qu'on ben, soit votre facilitateur, on est là vraiment pour coordonner et se dire, ben, ensemble, ben, on discute, hein, avec Cindy, euh, ça fait des années qu'on discute et qu'on peaufine, comme tu dis, chaque fois ce projet. Et d'année en année, il est, de meilleur, il est de mieux en mieux, il va de mieux en mieux. Et comme tu dis, ben, voilà, on connaît bien le client, on connaît bien le centre de formation, tout, tout le monde connaît bien tout. Mais c'est vrai que ça demande ben, des réunions, plusieurs réunions, plusieurs choses. Mais on est là pour ça. Euh, c'est un petit peu de temps, c'est vrai. Mais ça vaut la peine, je veux dire, au final. quoi. Donc, merci beaucoup, Cindy. Euh, donc de nouveau, merci aussi à Mandy, Merci à toutes les deux pour vos témoignages qui sont aussi très importants pour nous. Maintenant, je vais laisser la parole à Valérie qui va vous expliquer son slide. À toi, Valérie. Je, je repartage, Valérie. J'arrive. Oui, merci. Voilà. Ben voilà, c'est à moi maintenant. Mais donc, encore merci Amandine et, et Cindy pour, euh, pour votre témoignage. Et je pense que ça a pu donner un, un, un éclairage aux agences par rapport à ce que l'on fait concrètement euh, sur le terrain. Je vais maintenant juste résumer au travers d'un schéma et d'un flow euh, toutes les étapes de manière un peu plus théorique. Et vous verrez quand je vais vous les expliquer, eh bien, ça va reprendre vraiment ce qu'Amandine et Cindy euh, nous, ont, nous ont témoigné. Donc, il faut se dire que euh, voilà, l'agence est vraiment le point de départ du voyage. Tout démarre à partir de l'agence qui va détecter un besoin chez son client, d'accord Et donc elle va contacter bah, Travi, euh, Grégory, moi ou les, autres, les collègues pour voir un petit peu comment on peut l'aider à développer ce projet. Alors, c'est là que euh, Travi va devoir euh, collecter pas mal d'informations, d'accord, pour pouvoir euh, ben, avancer dans, dans le développement de ce projet. Et donc, on a vraiment besoin de certaines informations qui sont primordiales, telles que les compétences. Voilà, vous voulez former à quoi euh, Quelles sont les compétences que vos candidats devront pouvoir euh, maîtriser à la fin de la formation Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, la deadline. D'accord Donc, on va... Euh, comment établir une, une ligne du temps pour voir si c'est euh, une formation ou plusieurs sessions et voir comment le client souhaite répartir euh, ces diverses formations sur une ligne du temps. Ensuite, bah, on va euh, en, comment, parler du volume. Est-ce qu'il s'agit d'un groupe et si c'est un groupe, mais quel est le nombre de candidats à former, d'accord Ou est-ce qu'il y a euh, plusieurs, plusieurs groupes et on va également euh, envisager le lieu de la formation. Et donc, mais Cindy l'a très, euh, très bien développé. Euh, Est-ce que la formation peut avoir lieu dans l'environnement, dans les entrepôts du client D'accord. Est-ce qu'il peut mettre à disposition une partie de, de ses équipements Si oui, ben voilà, on avance comme ça. Si pas, alors c'est à nous de voir de quelle manière on peut organiser cette formation dans un centre de formation. Et on va également, en dernier lieu, parler du nombre de fournisseurs qu'il y a chez ce client est-ce que vous êtes le seul fournisseur de candidats euh, chez ce client ou à contrario il y a d'autres enseignes qui rentrent dans qui rentrent en ligne de compte et va-t-on les intégrer aussi euh, dans ce projet? Voilà donc dans la deuxième étape de l'analyse des besoins, Travi a vraiment euh, la nécessité de euh, récolter toutes ces informations pour justement passer à la troisième étape qui est ben, la faisabilité et l'analyse du projet, d'accord Parce qu'en fonction de votre input, eh bien, nous, on va euh, vraiment voir quel est le partenaire le plus adéquat euh, que l'on va choisir. Alors, il y a un partenaire public. Anne hein, vous a présenté le forum et ses divers centres de compétences. Là, il n'y a pas de budget qui rentre en ligne de compte et Travi assurera toute la coordination. Et puis, si le centre public, enfin, si le forum ne sait pas répondre à notre besoin, alors nous, on cherche un partenaire privé, d'accord, qui est le plus à même de répondre euh, aux besoins du, du client. Alors là, euh, bah, on va devoir... Euh, activer divers euh, leviers au niveau des budgets, soit le Learn for Job ou soit Welcome si euh, le public cible est âgé de moins de 26 ans. Mais voilà, tout, tout ça se, se fait ensemble au travers de diverses réunions. D'accord Et Travi assure, comme Amandine l'a dit aussi et Cindy, assure vraiment euh, toute la, la coordination euh, de, des diverses réunions. Alors, l'agence, ça c'est à préciser également, elle assurera la coordination seule si euh, c'est le budget Learn for Job individuel. Voilà. Ensuite, ben, on passe à la mise en place. À partir du moment où Travis a choisi un partenaire, d'accord, eh bien, on reprend contact avec l'agence, l'agence reprend contact avec le client et on se met autour de la table pour justement... Euh, le partenaire puisse euh, présenter euh, le contenu de sa formation et avec euh, le client et eh bien on puisse euh, confirmer infirmer ou ajuster certains points euh, afin que ben, justement la formation colle à 100% aux besoins du client donc on approuve le, le, le contenu on se met à euh, d'accord avec là où les sessions de formation qui peuvent se suivre ou qui peuvent être euh, comment, beaucoup plus distantes avec 3-4 mois, mais ça c'est à chaque fois différent pour chaque projet. D'accord. Et ensuite, bah, il faut que les divers acteurs autour de la table, à savoir Travis, l'agence ou les agences, le client et les partenaires, s'engagent à 100% également. Donc, Travis se doit... D'être bah, irréprochable et efficace au niveau de, euh, de la logistique, de la coordination, de toute l'organisation. L'agence, bah, elle doit aussi s'engager au niveau du recrutement des candidats, d'accord, euh, avec des candidats motivés, fiables, qui seront présents le jour de la formation. Le client, bah, il doit également jouer son rôle en tenant bah, la promesse d'engager un maximum de candidats qui sortiront de formation. Et le partenaire, bah, bien sûr, il se doit euh, de fournir euh, bah, une, une formation tout à fait euh, professionnelle et qui correspond à ce qui a été décidé ensemble. Voilà, au niveau de la mise en place. Et enfin arrive le suivi, d'accord. Alors ben, Travi, euh, là, va réintervenir avec le suivi des présences, des, des réussites des, des candidats. Et donc là, on contacte les agences pour donner euh, le feedback du formateur également. On assure également ben, la mise à l'emploi pour vérifier que euh, les candidats qui ont suivi la formation, eh bien, euh, accèdent bien euh, à un contrat. Okay. et on organise également une réunion pour clôturer j'ai envie de dire le projet avec une évaluation aussi bien de la part du client que de la part du, du centre de formation et que l'agence Voilà un petit peu ici toutes les étapes reprises dans un flot d'accord qui euh, représente de manière théorique euh, ben les deux témoignages de Cindy euh, et d'Amandine Voilà pour ma part. Merci Val, merci Greg, merci Cindy, merci Amandine. Euh, je pense que c'était effectivement bien, bien parlant d'avoir votre témoignage en appui et euh, ça, fait, euh, ça fait toujours du bien aussi, je pense, pour les autres, euh, autres d'entendre ce qui se passe et de voilà, peut-être se dire euh, on pourrait faire la même chose. Euh, donc merci beaucoup. Moi, je voudrais juste avant de passer euh, aux questions revenir sur. Euh, euh, quelque chose d'important au niveau euh, des budgets donc, euh, de formation, donc euh, au niveau des budgets de formation individuelle. Donc, j'ai dit que vous avez un budget de formation individuelle euh, par enseigne euh, via le Learn for Job et euh, via Welcome. Il faut savoir que ces budgets sont chaque année sous-utilisés. Donc il reste toujours, toujours, toujours du budget. Alors au niveau du Land for Job individuel, euh, effectivement c'est à vous à, à vous renseigner auprès euh, de, vos, de vos gestionnaires de dossiers chez vous euh, en interne pour voir s'il en reste. Euh, mais globalement euh, il reste plus ou moins à chaque fois 30% du budget euh, Land for Job individuel non utilisé sur toute la masse hein, du budget. Donc je ne parle pas par enseigne, mais sur toute la masse. Et au niveau du Welcome euh, individuel, il y a encore euh, vraiment énormément de, de, de budget. Il reste encore 70% du budget euh, qui n'est pas utilisé. Et donc, ça veut dire que bah, que ce soit pour les plus de 20, 26 ans avec le Learn for Job ou les moins de 26 ans pour le, euh, avec Welcome. Euh, il y a encore des possibilités. Donc, euh, pour Welcome, vous ne devez pas euh, vérifier auprès euh, de votre siège puisque c'est les 520 euros par candidat euh, maximum. Donc, ça, il faut directement contacter euh, l'équipe Welcome via euh, le site et via le lien euh, que je vous ai euh, renseigné ou bien contacter Val ou Greg euh, aussi euh, pour qu'ils vous, vous guident. Euh, mais pour euh, Learn for Job, donc vous renseignez auprès de, de, vos, de vos gestionnaires de dossiers. Euh, euh, S'il reste du budget. Alors le budget pour une année, vous pouvez l'introduire jusqu'à fin février de l'année qui suit. Euh, donc ici, voilà, on est sur les, les projets 2022. Mais si vous avez déjà des projets à introduire, n'hésitez pas. Et, euh, et, et pensez-y, parce que c'est vrai que c'est un budget qui est là et qui est là pour vous. Euh, donc euh, voilà, peut-être, euh, je voulais vraiment insister là-dessus, euh, puisque c'est quelque chose qui, qui est disponible et qui, qui n'attend que vous. <laughs> voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, euh, soit par rapport à, à ce que j'ai dit, soit par rapport au témoignage, soit par rapport à autre chose, quelque chose qui, euh, voilà, qui n'est pas clair pour vous, euh, ou des idées aussi, n'hésitez pas. J'ai une question par rapport aux formations que vous avez faites en entreprise. Euh, quelles étaient-elles concrètement au niveau des tâches euh Qu'est-ce qui est entreprise. mis en place ouais. Oui, bah, tout dépend du secteur, France. Tout dépend du secteur, oui. parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va répondre aux besoins, surtout de ton client, hein, le, le, le souhait qu'il va, qu va émettre, ou, ou toi, euh, ce que tu vas lui proposer. Mais euh, la plupart du temps, c'est souvent logistique. Tu vois, euh, opérateur de production, mais on, tra on va travailler également donc sur des, des postes en mécanique, en électricité, en hydraulique. Il faut toujours se dire que ce sont des, des formations courtes et ciblées, hein, des projets spécifiques. Ça ne dure pas six mois, hein, ça dure... Euh, deux, trois jours, deux semaines, trois semaines, ça dépend un peu, c'est chaque fois différent de toute façon, mais on peut travailler dans tous les secteurs. Alors, évidemment, le secteur le plus représenté chez nous, c'est par rapport aux besoins, c'est le secteur ouvrier, d'accord Et au niveau des statistiques de nos formations, c'est la logistique. Mais, comme je te dis, on, on travaille aussi en, voilà, en VCA, en, donc dans la construction, en, en BA4, BA5, électricité, en logistique, on peut vraiment tout imaginer. Après, c'est à nous à trouver le bon partenaire de formation et le timing, tu vois euh, mais chez le client, pour répondre concrètement à, à ta question, euh, ce que nous avons fait plusieurs fois, c'est vraiment la conduite d'engin, d'accord, mais également sur ligne de production. Euh, moi, plusieurs fois, ben, euh, je, on va donner des, des, des formules, euh, des modules, pardon, BPH, HACCP dans l'entreprise, et comme ça, les, tes candidats utilisent les lignes de production de ton client. Donc, ils voient vraiment l'environnement de travail. C'est très concret, tu vois. Donc euh, souvent le milieu industriel quoi chez les clients, mais on peut imaginer d'autres choses. Hein. Je veux dire, euh, je vois que Valérie a envie d'intervenir, mais euh, on peut imaginer d'autres choses. Voilà. Oui, Allez. moi j'ajouterais France. Euh... Mais moi, j'ai organisé chez le client même une formation. C'était opérateur de production, mais plus orienté euh, école du dos, tu vois, parce qu'il y avait euh, pas mal d'accidents de travail. Et donc, euh, voilà, on a utilisé ses palettes, on a utilisé euh, tout son matériel, mais c'était plus euh, au niveau de la manutention de charges lourdes. Donc, euh, ça, ça, voilà, c'était un, un peu euh, plus diversifié. Euh, et alors, on organise également des formations chez les clients au niveau de l'agroalimentaire. On en a parlé dans nos newsletters précédentes, donc ce n'est pas un secret. Euh, bah, les trancheurs de saumon, tu vois. Et donc oui. là, c'est de l'agroalimentaire. Et là, euh, les formations ont lieu chez le client aussi, euh, dans leurs ateliers. Donc euh, voilà, euh, ça, ça sort un peu du cadre classique de la logistique. Euh, voilà. D'accord. Et au niveau du nombre, il y a un nombre de candidats au... requis au minimum Oui. Minimum. oui oui mais okay. en fait euh, voilà une formation ça coûte énormément d'argent et donc le centre de formation ne va pas former un groupe de quatre personnes parce que mm -hmm. voilà c'est pas rentable donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement pour tout le monde, chaque partie donc on demande toujours euh, minimum minimum 10 candidats avec 12 à 15 candidats d'inscrits pour pouvoir, justement, on surboucle les groupes, d'accord, pour pouvoir pallier euh, aux éventuelles euh, absences le jour même de la formation. Et ça, Amandine oui, pourra ça en témoigner. Oui, et dit aussi. Au minimum, 8 à dit candidats. OK, merci. Il ne faut pas faire un projet spécifique pour deux candidats, ça, ça ne vaut pas la oui, peine. Oui, non, quoi. ça n'a pas de... Alors à ce moment-là, on ne fait pas chez le client, on fait ça en centre de formation, tu vois ouais. Hein, imaginons si c'est une formation dire, standard ou euh, qui est transposable ailleurs. Je prends l'exemple classique du, du VCA. Par exemple, VCA, tu vas, mettre, tu vas coupler avec un BA4, BA5. Eh bien, alors à ce moment-là, nous avons suffisamment de place dans les centres de formation pour envoyer tes deux ou tes trois candidats. Et à ce moment-là, on ne va pas chez le client. Ce n'est pas un projet spécifique chez le client, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, on, on prend aussi, évidemment, tu vois. Oui, d'accord. Merci. Ça va prendre. Pas de souci. Bonjour, moi j'ai une, une petite question euh, aussi. Donc moi je travaille dans le secteur de la construction, euh, donc VCA etc. On, on connaît et euh, on utilise quand même très très régulièrement. Euh, par contre, je ne sais pas du tout si vous euh, refaites encore de la validation de compétences, plutôt justement pour les conducteurs d'engins. Est-ce euh, que ça c'est possible Est-ce que euh, parce que nous on avait un centre sur Charleroi qui faisait de la validation de, de compétences, je pense que c'est plus du tout le cas. Euh, et donc voilà, ma question c'est, quid d'un conducteur d'engin qui a l'expérience mais pas le brevet Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce candidat-là Donc en effet, on a des, des contacts avec la validation des, des compétences, mais nous, on ne gère pas. Pas ces euh, validations, euh, il faut euh, prendre contact avec euh, les, les, les centres qui, le, qui le, les organisent. Sur le site de la validation des compétences, je ne sais pas si. Euh, attends, je vais essayer de repartager, d'aller chercher ouais, le site, euh, parce que je connais pas tous les centres par cœur, mais il y a toute la liste. Euh, après, Anne, Les si centres. je peux me permettre, il y a, il y a validation des, des compétences et aussi obtenir et un brevet pour des personnes oui. qui n'ont pas de brevet et qui doivent juste, oui. entre guillemets, qui savent conduire. Ça, c'est deux choses un petit peu différentes. Mais donc, ah, ça, oui, c'est oui. important de distinguer. Oui, tu peux expliquer pendant que okay. je cherche le site. Mais voilà, <laughs> donc Sophie, y a le consortium, c'est une chose, mais nous, ce qu'on fait régulièrement, ben, c'est des personnes qui savent conduire, hein, clairement, mais qui n'ont pas le brevet mais nous on va pas offrir un brevet comme ça, on va comme donner une petite formation. Et donc ce qu'on va faire, c'est souvent, hein, souvent, ben voilà, on discute, hein, c'est au cas par cas. En une journée, on va pouvoir ben, donner la théorie à ton ou tes candidats, d'accord, sur place ou en centre de formation. Ensuite l'après-midi, ça va être de la pratique et le soir, il passent l'examen. Et donc, quelque part, c'est une validation des compétences, mais ici, on doit faire attention au vocabulaire qu'on utilise, parce que pour nous, ben, c'est ce qu'on appelle, allez, pour les caristes par exemple, ce sont des caristes confirmés, des gens qui savent conduire, euh, mais qui n'ont jamais passé euh, de, de, de brevet ou qui ont fait à, à, à l'étranger pendant des années. Eh bien, on, peut, on pourrait appeler ça validation de compétences, mais. Comme il existe une structure, on doit faire attention au vocabulaire. Ce n'est pas très grave hein, ici, mais ouais. donc, ouais. voilà ce qui se passe. Et donc, ben, pour Charleroi, voilà, ça, je laisserai la, la parole à, à Valérie par rapport à cela. Mais sur mes régions, donc sur Liège, moi, je travaille avec le centre Construforme, que Cindy connaît bien, donc c'est avec, avec ce centre dont on parlait tout à l'heure. Et donc, Construforme donne aussi donc, euh, la partie conduite d'engins de chantier. Et donc, il y a 10, 15 engins différents, et donc, sur place on va pouvoir aller en fonction du niveau du candidat. On va pouvoir aller entre une journée et 15 jours. Tout dépend si le candidat est, est vraiment débutant ou pas. Dans ton cas, ben, il n'est pas débutant. Donc, il pourra aller, par exemple, une journée au centre à Flémal et donc valider le fait qu'il sache conduire l'engin avec un brevet en fin de journée. Mmh. Voilà. Okay. Entre-temps, entre j'ai trouvé le, le site. Euh... Voilà. Donc sur le site de la validation des compétences, euh, il y a vraiment tous les, tous les métiers qui sont euh, possibles euh, à, à faire valider. Et à chaque fois, ben, si j'ai pris un peu au hasard, à chaque fois il y a euh, où se rentrent et donc les, les centres qui sont euh, agréés pour faire passer les validations. Et donc c'est euh, à ce niveau-là que toutes les infos se, se trouvent pour euh, ben voilà, personnes de contact. Donc il faut contacter ces personnes-là euh, pour faire valider, euh, organiser une validation pour le, le candidat. Super. Merci. Ça va. Voilà. Ouais. Euh, D'autres questions Non, enfin, de toute, toute façon, quoi qu'il en soit, euh, on est toujours dispo euh, pour, pour répondre à, à tout ce qui viendrait comme question par la suite. Euh, N'hésitez pas à contacter, bah, comme je l'ai déjà dit, mais, euh, vos attachés sectoriels euh, ou moi. Enfin, voilà, on est, on est tous dispo pour, euh, pour vous aider. Et aussi, je voulais aussi souligner le fait qu'il n'y a jamais de d'idées de formation euh, saugrenues. Il faut toujours venir vers nous si vous avez quelque chose qui euh, voilà qui, qui se qui se planifie des, qui se dessine et pour lequel vous n'avez pas vraiment toutes les infos ou tous euh, tous les voilà tous les détails. Mais euh, voilà, on peut toujours en parler, vous orienter. Euh, et donc c'est souvent comme ça que ça démarre et que finalement ça aboutit à à des beaux projets donc euh, et, et on aime bien ça <laughs> donc euh, n'hésitez vraiment pas euh, à prendre contact -à que vous avez la moindre question euh, voilà pour la, la, la formation pour les événements qu'on met en place aussi aller consulter régulièrement nos, nos calendriers on communique en tout cas aussi dans le newsletter donc s'il y a parfois des beaux projets qui sont mis en avant ben, on le on les communique aussi dans la newsletter. Ça peut aussi vous donner des idées. Euh, et voilà, les réseaux sociaux aussi euh, font partie de, de nos moyens de communication. Donc euh, peut-être que vous voyez aussi passer des choses euh, par là. Euh, voilà, j'espère qu'on a été... Euh clair euh, et que, que ça vous aide à vous y retrouver euh, un petit peu mieux ou un petit peu plus euh, dans, dans ce qu'on fait, ce qu'on peut vous, vous, vous proposer pardon, et comment on peut vous aider euh, pour la formation de vos candidats ou de vos intérimaires. Voilà, voilà. Je peux, je peux oui. Je vais ajouter une dernière chose, Anne. C'est juste oui. par rapport au, au projet spécifique. On, on me dit parfois, ben, on ne vous, on trouve rien sur le site de Travis. Mm -hmm. Et c'est tout à fait normal parce qu'un projet spécifique, finalement, ça, ça ne regarde au départ que vous et votre client. Donc au départ, c'est confidentiel. Hein, et, et nous, ben, c'est vrai qu'on reçoit pas mal d'informations confidentielles qu'on ne va pas partager, évidemment, puisque ben, vous êtes tous euh, concurrents l'un de l'autre avec des clients différents. Donc vous n'allez pas trouver cette info. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre contact avec nous, hein, surtout donc euh, Valérie et moi, et puis euh, Anne et Manu sont là aussi, et Ouda pour Bruxelles. Et donc à ce moment-là, ben, on, on, voilà on ne dit rien à personne d'autre puisque c'est entre nous et si après comme Diane on communique sur la newsletter ben avec l'accord de votre agence, l'accord de vos clients ben on communique parce que ben voilà c'est des projets euh, souvent on est fier de les réaliser avec les différents partenaires quand, quand effectivement c'est une belle réussite on a amène de communiquer euh, ben toujours avec votre accord évidemment euh, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne le trouve pas sur le site donc il faut vraiment nous contacter puisque souvent on part d'une page blanche quoi d'accord Voilà. Ce que je veux dire, Anne. Tu a bien fait. <laughs> ok. Bon, une question, bah écoutez. Allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. On a encore quatre minutes. <laughs> bah voilà, c'est parfait. Pas on pour a le été... Non, pas pour le moment. Bon, ben bah voilà, écoutez, euh, je vous souhaite une bonne, euh, bon appétit bientôt et puis une bonne après-midi après. -midi après euh, et euh, on espère à bientôt.